Ah, ça va mieux. Pourquoi j'ai pas l'affichage? Eh oh! Voilà. Où est-ce qu'on va aller? Bah, je crois que j'ai une loupe là. Et je crois qu'il y a du monde. J'ai mis un peu de temps avant de me décider. Ouais. Ouais. Il y a des risques de pas avoir de loadout sur Warzone 2? Non. Il y aura les loadouts sur Warzone 2. Mec, les loadouts! La décision de les donuts, elle est magnifique parce que grâce à ça, les gens peuvent utiliser leur classe, donc on peut utiliser les variantes qu'il y a dans la boutique, etc. Donc financièrement, c'est magnifique pour eux. J'ai l'impression qu'il y a un vieux ping dégueulasse sur cette game. Ah, tu l'as vu tout à l'heure quand... Ah bah d'accord. Pourquoi je vais chercher la caisse d'abord? Il y a un ballon de toute façon dedans et donc avec le ballon j'irai chercher ma caisse. Allez, entre vous, vous tirez pas dessus ou comment ça se passe? Je voudrais pas mettre le drone tout de suite dans la situation où je suis. Là, c'est vraiment une game de merde, un kill quoi. Putain. Putain, t'as vu la retombée de la balle de la X? Ça, c'est horrible. Avec la HDR, le gars était mort quoi. Mais il faut juste que je le calcule un peu mieux quoi. Bon. Ok, lui s'est barré. Ouais. Pas terrible comme technique ça, monsieur. Bien d'avoir un drone en vrai, mais bon. Ok. Je me rends compte quand même, depuis tout à l'heure j'étais là, il y avait rien et tout, puis d'un coup on me tire dessus, je me barre, il y a un autre gars dans la baraque. C'est le solo, hein. Des fois le solo tu tombes sur des gars. C'est compliqué quoi, la temporisation est quasi obligatoire. Hein.
Ah, j'aurais dû prendre des plaques, je suis con. Mais... Le stress. J'ai tellement pas calculé la retombée, la vitesse de la balle de la X. Merci, j'ai besoin de plaques, ça tombe bien. Finalement c'est pas un win-win mais bon. Ça revient au même, mais j'ai un kill en plus. J'ai du mal avec la X parce que je sais jamais... Je sais jamais vraiment où est-ce qu'il faut tirer, tu vois. Mais après, c'est une question de pratique en réalité. C'est pas que la X il est bon ou il est mauvais, mais c'est une question de pratique. Si tu pratiques avec, tu sais exactement où tirer, tu sais la retombée de la balle, la vitesse de la balle, etc. Donc tu calcules. Et comme j'ai plus l'habitude de jouer à l'HDR, bah. Ok. Il y a une autoréal là, même là. Il y avait 3 Aurotoria sur le sol, t'étais pas foutu d'en avoir une, toi. T'as pas un masque à gaz. Ouh, un vrai coffre rouge. Alerte max et tout, incroyable. Ah, ça tire en bas. Ah. Je pense qu'il n'y a pas autant de retombées de vitesse que ce que je pense des fois. Waouh, attention au câble. Je me suis déjà fait avoir une fois. Ah, ça va mieux. Il y a l'autre connard là-haut, hein. Coordonnées transmises, avancez. Oh, j'ai quand même envie d'aller le décapsuler. S'il prend son temps en plus, hein. Lui, il suce la zone. Et merde. Le relou, il suçait la zone et il savait très bien ce qu'il faisait, hein. Il est où ? Oula, coquin ? La pistache, le type ? Tellement mauvais à la X, c'est vraiment, c'est honteux. Faites partie des 10 derniers.
Mais c'est honteux. T'es sérieux quand même? T'es quand même sérieux que je lui mets 2 balles dans le blanc à la X? Ouais, y'a une grosse retombée et 2 balles et pas beaucoup de vitesse quoi. C'est surtout pour la distance quoi. Tu vois le gars qui était super loin sur l'antenne, l'arme, je l'ai mis tellement haute par rapport à sa tête. Je pense que lui c'était l'autre connard qui me faisait chier tout à l'heure là. Je pense. Ah, l'autre connard. Ne jugeons pas sans connaître. C'était peut-être juste un enculé, tu vois. Ah, y'a un gars là ? Être dans la tente, c'est pas possible. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité. Bah, y avait un point rouge, hein. Ah bah voilà. J'ai pu être à cover après. Il a bien joué avec sa frappe. Il va essayer de faire le tour. Où il est. Le gaz avance. Nouvelle zone. Putain. Il a bien joué. Bon après c'était un joueur uniquement bêta donc pas trop de mérite non plus mais ouais, sa frappe était intelligente. Ouais, non non, il a bien joué. Mais ah bah la X50 là, quand le mec il bouge partout pour le niquer, c'est très compliqué. Faut vraiment que le gars il bouge pas trop quoi. Dès que les gars ils se mettent à faire des droites gauche des machins etc, c'est complicado. Hein.